Information exceptionnelle, un Intellivision géant avec une taille estimée de 10 à 12 mètres a été aperçu en ville aux alentours de 17h52. Les autorités sont sur place pour identifier ce qui semblerait être un robot géant. Oh, un état d'urgence en tout cas a été mis en place. Il ne semble pas offensif pour le moment, mais nous vous conseillons de rester chez vous, fermez vos fenêtres et vos portes, comme il vient de se passer actuellement. Les abonnés, c'est très très chaud ce qui est en train de se passer. Et pour affronter le TV Man Boss, le TV Man géant, il va falloir construire le château de carton le plus grand de toute la chaîne pour pouvoir se protéger. Oui oui, un énorme château. En parlant de château, cette vidéo est sponsorisée par Rise of Kingdoms. C'est un jeu d'histoire et de stratégie en temps réel, disponible sur iOS, Android, mais aussi PC. Tu peux jouer 14 civilisations différentes, la France, Rome, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Vikings, la Chine, le Japon, la Corée et plein d'autres. Aujourd'hui, une toute nouvelle civilisation fait son arrivée, la Grèce. Les nouveaux commandants Périclès et Pyrrhus rejoindront Léonidas et Alexandre le Grand. Les commandants sont basés sur ta civilisation. Pour les nouveaux joueurs, vous pouvez choisir l'héroïque Jeanne d'Arc. Pour les joueurs existants, combattez dans Kingdom Wars. Ne manquez pas le nouveau KVK Siege of Orleans. Des millions de joueurs aident Johan et son armée française à vaincre les ennemis britanniques. Comment faire pour résister au téléchargement de ce jeu? Rejoins plus de 100 millions de joueurs en téléchargeant Rise of Kingdoms avec ce lien en description ou ce QR code qui s'affiche à l'écran. Utilise ce code qui s'affiche à l'écran pour obtenir un petit bonus. Merci à tous ceux qui prendront le temps de télécharger ce jeu. C'est un énorme soutien à la chaîne. Merci Rise of Kingdoms. Ça, c'est le plus gros mur du château. Regardez-moi ce carton énorme, il est plus grand que moi. En même temps, je suis pas très grand. Ça, c'est le sol du château et il va falloir l'installer. Voilà, ok, on commence à le mettre ici. Mais par contre, il y a plein de cartons juste là. On va les dégager. Allez, c'est parti, ça dégage. Voilà, on pousse tout. Et on va installer le sol. Donc là, c'est parti, on dégage tout ça. Donc là, le sol, c'est ça, voilà. Le sol, c'est ça, hop, voilà. On déroule un peu, je déroule un peu le sol, voilà. Là, on y est. On va caler ce morceau de sol-là sous le carton, voilà. Tac. Voilà, ici, on a le sol du château et... c'est pas très confortable. Ensuite, on a les murs du côté du château, comme ça. Voilà, faut bien positionner. Là, on a un premier carton. Ensuite, on va en mettre un deuxième. Voilà un petit peu comment ça se passe. Et puis, du coup, un troisième. Sur ces cartons, on va mettre des cartons supplémentaires. Voilà, comme ça. Et puis, comme ça. Voilà. Là, franchement, c'est plutôt pas mal. Vous pensez que ça va résister au TV Man Boss? Je pense pas du tout. D'ailleurs, il arrive très bientôt. Plus que quelques minutes, il devrait pas tarder à arriver. Il faut qu'on se dépêche de construire le restant du château. Du coup, c'est bon, il y a des cartons qui sont juste là. C'est parti. Hop, on va faire comme de l'autre côté. Hop là, comme ça. Celui-ci. Hop. Comme ça. Là, on refait exactement la même chose que l'autre côté. Regardez comment c'est un petit peu de l'autre côté. On va les mettre deux comme ceci. Hop, hop. Voilà. Et là, déjà, on a une base à notre château. Là, je commence à être plutôt bien dans mon château de carton. Regardez, j'ai les remparts de chaque côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, du coup, avec tout ça, on va faire les murs devant le château. Ça, ça va être la partie la plus longue. Et ensuite, on sera prêt à affronter TV Man Boss. C'est parti, on va commencer le mur principal, enfin le deuxième mur principal, avec ces briques de carton. Regardez, hop, il y a juste à les positionner comme ça en ligne. Alors ça, c'est une partie qui va être assez longue, hein. Puisqu'à chaque fois, regardez, il va falloir mettre les briques petit à petit. Voilà, ça c'est le premier niveau du mur. Et ensuite, on va monter. Voilà, regardez, il suffit de monter comme ça. Voilà, on a les petites briques. Et on fait ça. Et regardez, vous allez voir, ça va devenir solide très rapidement. Dès le deuxième niveau, ça va devenir extrêmement solide. Vous allez voir, ça va être assez impressionnant. D'ailleurs, il fait 40 degrés. Là, j'en peux plus du tout. Si chez vous aussi, c'est la canicule, mets un gros pouce bleu à cette vidéo. Je prends des grosses tours de briques. Hop, allez, c'est bon. Et on continue. Là, il faut une petite brique de 1. Je me suis installé une petite porte de sortie et d'entrée juste ici. Alors, c'est tout petit, hein. Mais ça fait l'affaire. Voilà, c'est parfait. Et là, on continue le mur. Voilà, l'autre mur qui est juste ici. Voilà. Alors, faut continuer. La muraille est en train de s'effondrer. Du coup, il va falloir que je mette un renfort derrière. Et ça va être cet énorme banc. Allez, c'est parti. Hop, allez, hop, oula. Ok, c'est bon. Place ça derrière. Voilà, on va bien le coller. Voilà, parfait. Juste ici. Là, comme ça, regardez. Hop, ça peut plus pousser. Ah, voilà. Là, ça pousse et ça tape directement contre le banc. Regardez toutes les briques qui me restent. Je vais pouvoir faire vraiment une construction de zinzin. Et là, regardez, je peux monter sur le petit banc.
pour voir le TV Man Boss arriver. Let's go. On continue de monter les petits murs qui sont sur le côté. Voilà, comme ça, c'est plutôt pas mal. On va monter, je pense, à 4 de hauteur. Là, c'est plutôt pas mal. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Voilà. Alors, j'ai encore tellement de briques. C'est une dinguerie. Je pensais pas du tout en avoir autant, mais tant mieux. Ça va nous faire quelque chose d'extrêmement solide. Parfait contre l'envahisseur. Allez, c'est parti. On continue. Et ensuite, on le fait vraiment en mode château. Tous les deux, comme ça. Voilà. Là, c'est plutôt pas mal. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Là, on est dans notre château. Et vous pouvez le voir, je suis debout. Bon, je suis pas très grand, mais vraiment, là, on a un château de carton efficace dans lequel je peux tenir debout et viser avec les arbres qu'on ira chercher tout à l'heure. D'ailleurs, il faut qu'on se dépêche, il va pas tarder à arriver. Là, on continue d'amener de la hauteur au mur. Voilà, bam bam. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Là, je vais faire des arches, des sortes de fenêtres pour qu'on puisse observer de l'intérieur. Donc, c'est parti, il va falloir être un petit peu malin pour que ça tienne correctement, hein, parce que sinon, ça risque d'être un petit peu le bazar rapidement. Ok, comme ça. Et là, la dernière brique, est-ce que ça va tenir? Eh oui, ça tient. Regardez, c'est parfait. On refait la même chose de l'autre côté. On en rajoute deux comme ça. Voilà, ça tient déjà. Et une autre comme ça. Let's go, c'est parfait. Là, on a fait une nouvelle fenêtre. Let's go, elle est plutôt pas mal, elle aussi. Vous commencez à plus trop me voir, mais regardez tout ce qui me reste à l'intérieur encore. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on renforce, regardez, ces petits points faibles qui sont juste ici. Et aussi de l'autre côté, regardez, on a un autre point faible juste là. À tout le monde, le TV Man Boss, il passe son bras juste là et je suis mort. Je suis en train de faire des petites tours qui vont être les renforts. Voilà, c'est bon. On va en mettre de chaque côté. Là, on a deux petites tours qu'on va positionner de chacune de leur côté. Voilà, voilà, comme ça. Là, c'est plutôt pas mal. Et l'autre côté, pareil. Voilà, c'est bon. Alors là, le château, il est vraiment pas mal du tout. Ok, il va pas tarder à arriver. Il faut que j'invite du monde à l'intérieur. J'ai installé tous mes amis dans le château. Il y a la pieuvre, Jumbo Josh, le Rainbow Friends violet, Stinger Flynn, le Rainbow Friends orange, le Rainbow Friends, oh, merci. Le Rainbow Friends vert, le Rainbow Friends orange, bonbon. Ici on a Nam Nam, lui je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un Garten of Baban. Le grand Huggy Wuggy, un plus petit Huggy Wuggy, de nouveau Stinger Flynn, Melin Lee, un dragon rouge, Kissimissi, Siren Head, un autre Jumbo Josh, Opila Bird, le Rainbow Friends bleu, Cartoon Cat, une petite peluche Diabolo, Captain Fiddles, Siren Head, un autre Opila Bird, Among Us mutant, bonbon, Chef Pixter, un autre Nam Nam, une poupée vaudou, une petite peluche zombie, un autre... Qu'est-ce qu'il y a? Un autre dragon, Melini en version humaine, Mommy Long Legs, Bombalina, un petit chien et un Booglins. Il est très effrayant. Les abonnés, le boss TV Man va pas tarder à arriver. Il faut absolument que j'aille chercher des armes. On a renforcé le château avec des grosses bûches, juste là et juste là. Comme ça, ça maintient le mur. Là, ça commence à être vraiment pas mal. Voici toutes les armes que j'ai sélectionnées pour affronter le TV Man boss. Regardez, elles sont toutes ici. Voilà, c'est plutôt pas mal. On prend le gun. On recharge, est-ce que vous êtes prêts? Bon, pouah, c'est parti tellement haut, je sais pas si vous avez le temps de voir. C'est juste là-bas, on va aller chercher la balle. Elle est où? Glissa! Non, j'ai failli faire un énorme tacle dans l'herbe et je me suis rappelé que j'avais un pantalon qui était beige. On remet par contre, je m'attendais pas à ce qu'elle parte aussi loin, il est vraiment super puissant. Ensuite, nous avons un fusil automatique. Let's go! Bon, bon. Ouais, lui il est quand même beaucoup moins puissant. Ensuite, nouveau fusil automatique avec une grosse roue. Lui il est vraiment très puissant avec une grosse roue de recharge. C'est parti. Hop. Ok, plutôt pas mal. Bon, c'est plutôt efficace. Mais le problème avec cette arme, c'est que ça s'enraye très rapidement. Le fusil à pompe, hop. On baisse ça comme ça. On insère la balle à l'intérieur. Et on recharge, let's go. Et là vous allez voir, c'est extrêmement puissant. C'est vraiment très stylé. Bon allez, on va chercher la balle, let's go. Elle est partie quand même super loin. On a ensuite ce grand fusil sniper qui n'est absolument pas puissant. Vous allez voir, c'est n'importe quoi. Hop. C'est ridicule, pourquoi est-ce que ça tire aussi peu loin? Je comprends pas. Voilà, je recharge, c'est parti, on tire. C'est vraiment pas ouf du tout, hein. Et là, cette arme extrêmement puissante avec double chargeur, let's go. Vous allez voir, ça c'est vraiment n'importe quoi. Oh, la dinguerie. Ça tire carrément tout au bout de mon jardin alors qu'il y a minimum, je pense, 30-40 mètres. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Il est tellement puissant. Cadreur, tu veux que je tire dessus? Bon, non, on va éviter. Allez, let's go. On va chercher les balles. Toutes les armes sont à l'intérieur du château. Le château est enfin terminé. Je suis prêt à affronter TV Man Boss. Regardez, je me mets à l'intérieur. Let's go. Et j'ai plus qu'à recharger. Petite présentation du château. «
Bon, il est bientôt l'heure, j'attends toujours. Vous voyez quelque chose, vous les abonnés? Moi, je vois rien du tout. Pour l'instant, il y a vraiment pas grand chose. Quand est-ce qu'il arrive? Bon, il est toujours... Wow! Ok, je vais devoir charger mon fusil à pompe. Je mets la première balle, c'est parti. Je vais tirer dessus, je vais tirer, let's go. Je tire. Je crois que je l'ai shooté, mais il faut des nouvelles armes. Ok, c'est parti, on prend celle-ci, let's go. Et je vais commencer à mitrailler. Bam, bam, bam. Je viens de me cacher derrière le mur. Je sais pas où est-ce qu'il est exactement, je l'entends arriver. Je vais peut-être me relever pour pouvoir voir où est-ce qu'il est. Oh, oh, oh. Tout s'effondre, tout s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il est là, il est là, il est là. Oh, mes abonnés, non. Oh,